Et le bus, il vient d'arriver, je crois que c'est le bus magique en plus. Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je suis venu à la salle jeudi, petit entraînement. Je vous avoue que là, j'ai pris un gros coup dans la tête mardi, ça m'a sonné même pendant la semaine. Donc je vais aller voir un petit peu l'ostéo, voir s'il n'y a rien de grave ou s'il n'y a pas décalé un petit truc derrière la tête. Parce que quand j'ai pris le coup, je voyais des couleurs qui s'inversaient, chef. Donc on va voir ça. Là, je suis venu, normalement c'est férié, vous savez, on est jeudi. Mais voilà, j'ai dit quand même qu'il y avait entraînement avec les petits parce qu'on a un match samedi matin. Donc avant que je parte à Mulhouse-Fastadt. Et puis du coup voilà, avant le gros match, là je suis quand même venu beaucoup plus tôt pour essayer de voir s'il y avait le chauffage, mais comme il y a les gars qui jouent un petit peu avant, des gars qui viennent tout simplement s'amuser, du coup il y a déjà le chauffage, donc c'est parfait. J'en profite pour faire mon petit exercice d'élastique, puis après il y a les enfants qui vont arriver, puis après il y aura mon entraînement, puis voilà, tout simplement les chefs. L'entraînement d'hier, bon, au début c'est pas bien passé et puis par la suite ça allait mieux. Parce que comme je vous ai dit, suite à mon coup dans la tête mardi, bah, je suis toujours endormi. Donc j'espère que c'est pas le cerveau qui a été touché. Chaud. Bah j'espère pas. En tout cas, bon, déjà on est déjà un peu fou, alors déjà ça arrangera pas les choses. Alors mis les idées en place, Delta. Bon, en tout cas voilà. Je pense qu'une petite séance d'ostéo, c'est pour ça que la vendredi, bon j'ai appelé mon ostéo du club, mais en fait elle est en le pont. Parce que jeudi, samedi, du coup tu fais le pont. Enfin bref. Du coup, bah, j'ai réussi à avoir quelqu'un sur l'once, d'une connaissance. Donc c'est cool, elle va pouvoir me prendre. Et j'espère que ça va partir. Parce que vous savez, ça fait comme une situation où je suis un peu endormi, où je calcule pas trop tout. C'est bizarre. Alors après, il fait beaucoup froid, nous dans le Jura, c'est brouillard de ouf. Donc on va voir. Je vais peut-être en profiter aussi. Enfin voilà, on va voir. Mais bon, alors j'essaye de prendre, c'est du magnésium marin. Mon coach m'avait conseillé ça l'année dernière. Et puis, c'est vrai que pendant l'hiver, il faut prendre ça parce qu'on a moins de soleil, du coup moins de vitamines, moins d'énergie. Enfin bref, du coup, je vais peut-être me faire un petit truc. Donc, c'est une cure en fait pendant un mois, il me semble. Et tu prends ça et puis ça t'aide quoi, vraiment à te booster un petit peu plus. Donc, à voir. En tout cas, quand vous prenez un coup, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ne pas hésiter si c'est un gros coup, allez faire un petit tour de l'ostéo, parce que après plus tu traînes les choses, bah plus ça peut t'engendrer des plus grosses blessures. Mais voilà, en tout cas il y a un truc qui se passe au club en ce moment et c'est une dinguerie. C'est à dire que là, vous savez, on a joué Fürdenheim et puis ça avait ramené du monde, du coup bah ça nous a motivé nous au club. Du coup là on joue une bonne équipe, tu vois, et faudrait qu'on gagne, tu vois, t'as capté, faut, voilà. Du coup le club met les moyens pour faire un déplacement en bus. Bon, pas le bus magique, mais le grand bus, tu vois. Donc un grand bus. Et gros, on va partir là-haut à plus de 50 personnes. Enfin, à 50 personnes. C'est-à-dire qu'on sera avec les supporters et tout. On va aller là-haut, on va mettre un bordel. Donc je suis pressé que vous restez jusqu'à la fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi un gros pouce bleu. À mettre la cloche de notification surtout. Parce que souvent, les boutons t'abonner, ça bug de temps en temps. Donc abonne-toi, mais active la cloche de notification. Et franchement, ça va être dinguerie. Juste vous montrer le bus, j'espère qu'il sera beau. J'espère qu'on sera confort. En tout cas, je vais vous vlogger tout ça, ça va être dinguerie. Là, pour l'instant, on va faire la petite touche et je vous dirai comment ça s'est passé. Et en plus, écoute bien, je t'ai dit qu'il y avait le bus, quoi, le bus magique. Mais j'ai reçu un colis de ma maman et un colis aussi spécial, d'accord, d'une marque. Alors, bon, je vous en dis pas trop, je vais l'ouvrir avec vous juste après. Ah bah, je suis content. J'espère que je serai pas trop encore plus endormi après l'ostéo. Ah ouais, il paraît qu'on est endormi après l'ostéo. Vas-y, moi, je suis un dur, je m'en bats les couilles. Je suis un œuf dur. Allez, c'est parti. On way. Yo, let's go training, mon pote. Bon, les frérots, comme je vous ai dit, j'étais à l'ostéo, ça m'a fait du bien, il m'a craqué juste l'anus, la nuque, me reprends pas sur mes mots. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien, ça m'a craqué là, voilà, j'ai deux bons gros colis, on va les ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans, un petit unboxing de famille. Les gars, sans plus attendre, c'est carré, c'est rectangle, on ouvre ça, j'espère que c'est pas fragile, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors ça, à mon avis, ça doit être celui de la maman. Ben, ça veut pas. Tu sais, quand t'es gamin, tu ouvres les cadeaux et après tu ouvres et tu fais ben, c'est quoi? Ah, c'est... Non, au début, tu ouvres et tu fais oh, c'est trop bien. C'est quoi? Enfin bref. Ok, les gars, regardez. La maman, comment elle fait trop plaisir.
Le calendrier de l'Avent, mon frérot. Oui. 25 ans, oui. Encore un enfant. Encore un enfant. Les gars, on va se régaler. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez votre calendrier, vous? Non, je sais pas. Bon, là, cette boîte, elle est lourde. Ouf, tchah, vache. Oh là 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 là, les frérots. Ça a l'air d'être une dinguerie. Oh là 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 là, les frérots. Je crois qu'on n'est pas prêts. Je crois qu'on n'est pas prêts, les frérots. Attends, juste... Oh là 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 là. Attends, je filme juste avec mon portage, je vais te montrer, c'est une dinguerie. Je vais te filmer avec mon... Oh la vache, tout ce qu'il y a, mon frérot, là. Les gars, il y a un ballon de basket, pile poil, tout Puma. Les frérots, c'est tout Puma. Les gars, je vais être trop stylé. Un ballon de basket Puma, les frérots. Le short. C'est quoi, ça? Oh là là, le t-shirt. Les gars, ils ont régalé. En plus, Puma, c'est une bête de marque. J'aurais jamais pensé, franchement, recevoir des vêtements de eux et de leur part. Et franchement, ça fait grave plaisir. On va tester tout ça. Ah ouais, des t-shirts. Ça, c'est quoi? Wow, il pète sa mère. Les gars, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Des masques, bien sûr. Les gars, ça déjà, on va mettre ça demain. Les masques, ok. Des chaussettes. Ah, ça déjà enlevé demain, les frérots. Quoi? Une paire. Les gars. Une paire de gros. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est archi stylé, ça. Mais c'est archi stylé en rose, là. Une petite touche de rose. Je kiffe sa race. Mais elles sont bien. Oh yo 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 yo, les gars, on va aller tester ça. On va aller tester ça. Si on vole avec ça, c'est bon. Je sens déjà que c'est léger. C'est léger. Et les gars, il y a une autre boîte, ça rase. Mais les gars, mais franchement, c'est quoi? C'est mon anime. Oh là 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 là. Oh, mais les frérots, là. Mais ils m'ont régalé. Mais attends, mais... Oh là là, mais ils régalent. Mais c'est pile poil ma taille. Ah mais c'est dinguerie. Les gars, franchement... Oh non, 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 mais là, c'est... Là, c'est une paire pour me balader. Une paire... Ah ouais, une paire un peu street, là, pour les entraînements. Comme ça, dans mes vidéos, je vais être carré. Là, une paire touchée, ma... Oh là, ma gueule, je suis choqué. Je suis choqué. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, les paires... En fait, pour t'expliquer, moi, j'avais une paire de N1 que j'avais acheté à la brocante et j'ai traîné ça pendant 3 ans. Ensuite, j'avais quoi? J'avais une paire de Kipsta à l'époque. Et voilà, du coup, la maman, elle achetait pas toujours des chaussures, tu vois. Et là, au jour d'aujourd'hui, je reçois carrément des chaussures. Les frérots, ah, ce short, là, ça a l'air d'être une dinguerie. Je vais pas perdre de temps. Oh là là. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Fais voir ça. Ouais, petit truc classique, boum. Ça va aller avec ça. Oh, oh, le outfit de bâtard. Un petit outfit blanc en haut. Hop. Oh là là. Et là, dans les vidéos, mon gars, je vais être stylé. Oh, aïe, 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 aïe. Et ça, le, du coup, le blanc, ça va aller avec ça. Oh non, mais... Wow, la dinguerie. Mettez-moi en commentaire ce que vous, vous préférez quoi, déjà. Soit le short blanc comme ça, avec le haut comme ça. Directement. Ou est-ce que vous préférez... Attends, je viens de me rendre compte qu'à la caméra, on voit pas le haut. Donc, cela, ça, tu vois, comme ça, avec le haut comme ça, ce short-là, les gars, voilà, avec ça. Les gars, franchement, franchement, ça, les gars, ça, oh là là, avec la petite paire, les gars, je vais être habillé de la tête aux pieds en Puma, c'est certain, la famille. Et un petit ballon, les gars. Oh yo 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 yo, petit ballon Puma. Oh les frérots, mais là ils m'ont mis bien. Ils m'ont mis vraiment, mais vraiment bien. Franchement, oh j'ai un petit mot. Oh j'ai un petit mot, les gars, mot d'amour. Et les gars, un petit mot, en gros, il nous le dit dans le petit mot. Bah, il va me redonner du nouveau par rapport au lien d'affiliation. C'est-à-dire qu'il y aura un lien que je mettrai dans ma description, les frérots. Et grâce à ce lien-là, vous allez avoir bah, tout simplement des réductions et tout ça. Donc ça va être la dinguerie. Les gars, je pense que sur la chaîne YouTube, ceux qui sont abonnés et qui ont déjà activé la cloche de notification, ça va être la dinguerie. Les gars, vous savez que ça va être la dinguerie. Là, c'est le vlog épisode 9. On monte en gamme, mon frérot. Ça monte en gamme. Demain, les gars, on prend le bus magique. Commence à être gros, commence. Et faut aller gagner, par contre. C'est bien beau d'avoir un bus, des belles chaussures.
Mais si tu perds, c'est pas la même. Rouvrir, c'est pas la même. En tout cas, les gars, merci Puma. Vous m'avez régalé, mais dingue. Hein. Franchement, j'aurais jamais pensé. Là, je vais aller ranger ça et je vais aller déjà préparer mes petites affaires pour demain sur ce que je vais mettre. Mais franchement, waouh, choqué. Je suis estomaqué. Ça se dit, ça? Je sais pas si ça se dit. La famille, c'est jour de match. Les gars, c'est let's go quoi, il n'y a pas le choix. Là, on y va. Pour l'instant, je sais pas les frérots si c'est ça le bus de 50 personnes, mais les gars, ils sont. Je sais pas si vous voyez bien, mais les gars, je pense pas. Hein. Parce que là, on tient pas. Hein. Même si on se sert beaucoup, on tient pas, je crois. Les gars, je pense que ça va être compliqué, mais en tout cas, peut-être que le bus, je pense qu'il va arriver après. En tout cas, les gars, ce matin, juste pour vous faire simple, voilà, moi j'ai eu l'école de mini basket pendant une heure, de 10h à 11h. Ensuite, on a eu tout simplement un match de U11. Donc là, ils ont bien joué. Franchement, on a joué sur les espaces, comme vous avez vu dans l'épisode 8. On s'en est servi, nous, pour notre vidéo. Enfin, on s'en est servi, nous, pour notre match, tout simplement. Puis ça a payé. Franchement, on a gagné haut la main. Puis avec des bons espaces. Donc ça, c'était important. Là, bah, c'est parti. On joue. Il y a eu 13 qui jouent. Après, il y a eu 15 cet après-midi. Voilà. Donc ça, ça fait grave. C'est grave relou parce que moi, je peux pas les coacher. Mais bon, il y a mon gars Antoine. Là, on va aller le checker. On va aller voir. Il y a déjà quelques jours. Bah, il y a Flavien qui est là, les gars. Celui qui est chaud. Celui qui vient saper comme jamais, les gars. Hein. Ça va ou quoi? La forme? Allez, les gars, sans plus attendre. On va voir. J'espère que les gamins, ils gagnent. Hein. Parce que là, tu vois, on se réunit là. Ah, le chauffage, les gars, le fameux. Chauffage. On se réunit là et voilà. Le score. Oh. Les gars, ça game. Ça rigole pas. À la table, c'est sérieux. Là, les U15 sont venus aider au calme. Mathis, il est là. La forme. Puis là, c'est Antoine qui coach. Il est juste là. Donc, les gars, ça va être serré, serré. Ça va, les gars? La forme. À fond. Hein. Donc là, les gars, c'est serré. Hein. 6-6. On va voir s'ils jouent dans les espaces. Normalement, oui, mais on verra. En tout cas, ça joue. En tout cas, dans la salle en même temps. Voilà, je suis venu voir un petit peu avant, mais j'avais pas trop le temps, donc c'était compliqué. Là, les gars, je vais juste vous montrer. Normalement, là, j'ai mis le call-off en ligne. Voilà, je me suis mis le petit call-off. Hein, NBA 2K21, le Warzone. Chef, voilà, j'ai mis tout ça, on va pouvoir défoncer du monde. J'ai fait une affiche il n'y a pas longtemps, les frérots, regarde ça. Je vais vous donner la lumière, c'est pour les loisirs. Comme ça, on a plus de loisirs et tout, parce qu'on n'avait pas assez de monde en loisirs, du coup, c'était chiant. C'était chiant, tout bon quoi, là, frérot. Bon, est-ce qu'il y a mes petits... Ah oui, parce qu'il faut mes petits élastiques. C'est-à-dire que moi, début d'entraînement, au début, il faut que je m'échauffe, mais je m'échauffe bien mes moyens fessiers, mes hanches, mobilité, tout ça. Parce qu'au moins, je suis chaud. Quoi. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Regardez-les, les stars. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ça se ferme. Oh, une voiture. Mais, non, mais c'est impressionnant. Ton capot, il est... Oh non, non, mais... On trouve des trucs pour encourager. Faut qu'on trouve ça. Je sais pas si c'est là. Prends la petite information. Non, c'est pas là. Ça. Ça, ça a distribué dans le bus. Tiens, donne, viens, je vais te mettre ça dans la trousse à pharma. Dans ça. On prend rouge. Les gars, on va prendre rouge. On va mettre combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On fait rouge et noir? Oui. Ah bah attends, je reprends. Ouais, j'en ai pris 40. Ça va, Roger? Allez, let's go. Allez, les couilles. On prend ses couilles et ses couteaux. Bon, alors là, venez, on va aller aux toilettes. Alors, je vais vous montrer, je vais faire un tuto comment faire pipi plus vite. Alors, Icon Delta. Allez, toilette. Bon, voilà. On va voir, je pense qu'il y a déjà du monde, les frérots. Moi, je suis en train de me balader. Ça va, chef? Alhamdoulilah. La forme? Lui, t'es malade, il est pas venu s'entraîner mardi. Le chef, il avait juste une petite toux, il est pas entraîné. C'est n'importe quoi. Ça va, les gars? La forme, à fond, hein. Vous êtes pas trop perdus sur les espaces? Non, ça va. Vous avez regardé bien la vidéo? Ouais. Bon, bah ça va. On va pas être perdus. Ça va, chef? Les gars, il a ramené, hein. Oh là là, les chefs. Moi, je vais faire un camping. Il va au camping, chef. Camping des fonds bleus. Poussin des plaids. Avec capote. Ah, les gars, notre capitaine, il a déconné avec ses cheveux. Les gars, une note sur 10 pour la coupe de cheveux. Ça va, mon chef? La forme? Ça
Et on nous a fait du jus de gingembre, les gars. Ça va y c'est aller. Pour bander, ça, c'est pour ça. Mais non, mais le coach direct. C'est pour l'entraînement. C'est pour le match juste avant. C'est pour bander. Jus de gingembre. Waouh. Wow. Bah. Comme ça. Les frérots, c'est la dinguerie. Le bus, il vient d'arriver. Je crois que c'est le bus magique en plus. Les gars, il est là-haut. Bon, bah, les gars, je vais prendre mes affaires. Je vais commencer à m'installer. Rien oublier. Et surtout pas oublier des chaussures. Parce que ça, c'est ma spécialité, mon chef. On a l'enceinte Bluetooth. On a le jus. Ouais, les gars, on est prêts. Attends. Je crois que j'ai rien oublié. Règle de 4. 1, 2, 3, 4. C'est pour me souvenir. Ça, c'est l'astuce. Ouais, les frérots. Regardez notre beau bus, les gars. C'est pas beau, ça? Franchement, c'est ça. Ça paye, les gars. Non, en vrai, on fait beaucoup plus d'efforts au niveau du club. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Et puis, au moins, tout le monde en profite. Les gars, regardez. Pouh! Salut, Timmy. Salut. Ça va? Ouais, ça va, hein. Ça va. Les gars, regardez, on a même les sandwichs. Oh lolo, la dinguerie. Les gars, ça, je pense, ça, on va se régaler. Regardez dans le bus magique. Les gars, je me croyais à l'école. Punaise, regardez. En plus, c'est cuir. C'est cuir rouge, comme Poligny, les frérots. Et Kevin, t'as pris le Uno? Aïe, 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 je vais lui mettre une raclée. Attends, José en retard. Pouah, José, il a été au Macumba hier. Thibaut, il a été au Macumba. Ah, par contre, je me demande. Dan, il va se mettre debout, il va sortir la tête ici. Hein? Ah ouais. Allez. Mais où va Kevin? J'ai bien l'impression qu'il a trouvé un chemin secret. Il sort son zozio. Mais nous allons voir ça de plus près. Nous avons jamais vu le zozio de Kevin. Vraiment, oh le zoom. Le zozio d'Africain. Ouais, ici c'est... Avant c'était une route, mais là ça s'écroule, je sais pas quoi. Si, si, c'est la fin du monde. Voilà, comme vous avez vu la famille, je suis parti faire mon petit pipi. Franchement, on a reçu le petit package là de Puma. Franchement, bon, j'ai pas pu me mettre en short, mais si j'aurais pu, je m'y serais mis. C'est de la qualité. En tout cas, je me sens bien dedans. Franchement, ils ont assuré. En plus que ce soit beau, franchement, la qualité, elle est top. Donc, je suis pressé de... Là, je vais pas jouer avec les chaussures, en tout cas, directement, parce que j'aime bien m'entraîner un petit peu avant, de les refaire et tout, donc c'est délicat. Mais je vais aller tester ça à l'entraînement, donc on verra ce que ça donnera. Et puis voilà, hein. J'espère que ce sera vraiment de la dinguerie, parce que, en tout cas, visuellement, elles sont belles. Ouais. Un ami, après, bah, j'ai reposté. Un wrap et un sandwich, on va les lever. Ouais. Ils nous ont régalé ceux qui font les sandwichs, et franchement, on va se régaler, les gars. Bien. En fait, ils sont venus pour manger, quoi. C'est bon. Ouais, c'est repas, on se déplace, repas, on vient. Le ceinture de sécurité est obligatoire. Le masque aussi est obligatoire. Vous pouvez écarter les sièges aussi dans l'allée. Vous avez une manette sous le siège pour l'écarter un peu, pour garder encore un peu plus de place. Jimmy, il va écarter. Voilà. Et puis pareil, du coup, les basketteurs, du coup, vous êtes quand même grands, vous êtes costauds. Du coup, les sièges sont de plus en plus fragiles. Donc, essayez de pas trop forcer dessus. Voilà, je vous remercie. Yo les gars, donc là on est arrivé sur l'aire de repos, autogrill. J'ai pris l'argent là, moi j'ai pris ça de l'ananas, noix de coco, je devrais gagner les gars. Ça va être trop bon, méga bon. Voilà, regardez ce qu'ils mangent. Non, j'en mange pas. Oh là, non, mais ça va. Oh bah ça va pas du tout, fais voir. Ça va. Mais de quoi ça va? Regarde, il y a... Mais de gros, il y a de l'œuf, il y a quoi dedans qui est pas bon? T'as mangé McDo? Bah ouais. Oh là là! Il rien à manger. T'as mangé McDo? Oh non, elle mange McDo! Les gars. Vas-y les gars, nous on va chercher des cacahuètes. Hein. Chercher des cacahuètes. Ça va? La forme? Ouais. La forme, punaise! Eh, vous avez abusé vous la dernière fois. Pourquoi? C'est toi qui as abusé. Ouais, ça je mets hors caméra. Hors caméra. Allez, hop, là on va voir ce qu'il y a. C'est vrai que des fois c'est pas facile dans les trucs de repos, parce qu'on est vite tenté par des trucs comme ça. Tu finis vite à un bâton de berger dans la bouche. Ça mon chef, la forme. C'est du coup, quoi. Là, ouais, je vais prendre quoi? Une petite compote. Ah, 9 euros, ça va la petite compote?
Non, mais c'est pas excessif. C'est vrai que t'as vite envie de prendre des trucs comme ça et tout. Oh là là, je sais pas, fais chier. Toi, c'est compliqué. Je me dis une madeleine, mais c'est pas ouf non plus. De l'eau. Oh, ça, c'est plein de beurre là-dedans. Je suis perdu. Un thé et une madeleine. Hein, thé et madeleine. Madeleine avant un match. Non, c'est pas bien. Pas de madeleine, les gars. Bon. Ce que j'ai besoin, c'est de l'eau, au pire. Qu'est-ce qu'il y a? Des pains au chocolat, au pire. Un pain au chocolat. Oh, je sais pas. Un cookie. Ouais, un petit cookie, un muffin. Vous faites des thés ici, madame? Oui. Ah. Ah bah c'est excellent ça. Là, les gars, je viens de finir mon thé. On attend avec Flavien. On est à quoi, 20 minutes même pas là? Voilà. Donc bon, c'est bon, ça arrête toujours un petit peu, ça coupe un peu les jambes. Et voilà, on va voir. Ça va toi, tu es prêt toi, t'es chaud? Toujours. Toujours. Tu vas mettre des dunks à l'échauffement? Non. Je vais me claquer. Il va se claquer une jambe. François, il va mettre... maintenant il met des dunks à l'échauffement. Il met des gros dunks maintenant. Et à l'époque, il sautait encore plus haut. Mais là, tu vois. 5 cm. 5 cm, tu dis? Ah oui, pas plus. Il est là, lui. Il a la petite boule rose. Bon, la famille, on est arrivé. Là, on est à Fachstadt, hein, je crois, la salle. Franchement, on est bien. Il faut juste faire le petit. Là, on passe pour faire les tests. Test sanitaire. Tac. Merci. Donc voilà, les gars. Ici, ça va. Par contre, le sol, les frérots, oh là là, ça casse les couilles. Ça, c'est juste ça qui est chiant. Le sol, mais bon. C'est vrai que ça, c'est chiant. Quand tu joues dans une salle où c'est un peu comme ça, comme à la... C'est un peu le truc d'école, bah, c'est toujours un peu chiant. Là, on va rentrer dans le match, on se focus. On essaye de se détacher un peu de tout ça avec tout le monde, je reste un peu plus dans ma bulle et puis voilà. Eux voilà, ils ont les petites affaires là, c'est pro, mais c'est bien. DJ, quouac. Va nous mettre l'ambiance. Ouais, déjà il fait chaud là. Il fait chaud le frérot. Pouah, là faut se réveiller. Lui, il fait toujours plus alors qu'il fait hyper chaud. Il fait déjà chaud là. Bon, les gars, sans plus attendre, le match contre Mulhouse-Fachstadt. Franchement, les gars, bon, bah, j'ai vu la vidéo. Forcément, le match est fini. Du coup, je le commente. Mais c'est un match, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une boule de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs qui sont à corriger. Il y a des trucs qui sont bien aussi. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de vidéos pour aller corriger des choses. Et puis, voir les choses qui sont bien également. Pour que vous puissiez aussi progresser au maximum. Et moi aussi, j'en profite pour aller progresser sur chaque vidéo. À savoir que bon, tout ce que je vais dire, c'est vraiment, vraiment pas pour aller critiquer un joueur ou critiquer l'équipe ou critiquer... Non, le but du jeu, c'est vraiment aller donner mon ressenti, d'accord, en tant que joueur. Et puis, ça peut aider pour certains qui n'ont pas la chance d'avoir un coach ou tout simplement, ils n'ont pas la chance d'être en club. Donc voilà, c'est vraiment ce ressenti que je vais partager. Moi, je ne viens pas forcément partager ça en tant que joueur de cette équipe, mais vraiment extérieur, voilà, Delta Lloyd, ma vision des choses par rapport à ça. Et je ne dis pas que mes informations ou ce que je viens vous partager, c'est les meilleurs du monde, que je suis le top 1 des conseils au basket. Pas du tout, non. Non, je veux juste vous partager quelques petits trucs que moi je ressens et puis voilà. Il y a peut-être parfois des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est pour ça qu'il y a l'espace commentaire et puis ça laisse, voilà, tout simplement libre à chacun de s'exprimer sur certaines actions. Donc voilà, hein, il n'y a personne qui est plus fort que l'autre, en tout cas, voilà, bon, sur les terrains, il faut essayer d'être le plus fort quand même. Mais en tout cas, là, quand on regarde la vidéo, voilà, c'est vraiment à base de conseils, pas pour venir critiquer les gens ou autre, ça faut le savoir. Maintenant, on regarde la vidéo, mon chef. Donc là, on commence. Donc là, hop, petite passe dans l'axe, hop, on la donne à notre grand parce qu'il est tout seul. Bon, faute ou pas, en tout cas, moi, je pense pas, mais là, bon, il l'a mise, donc parfait, les chefs. Donc là, je suis là en bas, regarde, quand t'as un joueur qui te colle comme ça, faut pas se prendre la tête, faut pas essayer d'être foufou ou d'une...
ou d'essayer de le casser ou de dire ah, l'arbitre il me colle. Non, non, tu changes juste ton rythme, c'est-à-dire que tu vas doucement et d'un seul coup tu vas vite. Tu vois, là quand j'ai été pour aller prendre le rebond, mais il n'était pas là, tu vois. Change de rythme surtout, ne reste pas tout le temps en même rythme. Tu vas doucement et d'un seul coup tu vas vite, tu vois. Donc là, attaque de Joseph. Il me fait une petite passe trop petite, donc ça faire attention si vous rencontrez ce problème-là dans votre équipe, de ne pas faire des passes toutes petites comme ça. Donc là, on passe la balle à Mouchi qui shoot. La contre-attaque, je la repasse à Mouchi pour qu'il re-shoot. Bon, il loupe, du coup, je me rappelle que le coach avait crié parce qu'il voulait plus que regarder. Lui, le coach, il aurait valu, comme Kevin l'a loupé juste avant, et bah que là, sur mon attaque, que je fasse plus la passe au grand qui est tout seul pour le 2 points. Bon, bah finalement, enfin, on laisse sur un 3 points et notre grand le récupère, mais il le loupe quand même. Donc, dans tous les cas, les deux, il loupe. Donc, les gars, y a pas sauce, les gars. Hein. Vous, qu'est-ce que vous aurez fait, vous, en tant que joueur, hein? Mettez-moi en commentaire. 7 ou 6, les gars. Hop, ici, donc le grand, il shoot. On reprend rebond. Vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs. Bon, ça va qu'il reprend le rebond, Joseph. Donc, de toute façon, Joseph ou moi, vous allez voir plusieurs fois, on n'hésite pas à se battre l'un pour l'autre ou pour l'équipe. Donc ça, voilà, malgré, bon, j'ai fait des erreurs, il en a fait aussi, on fait tous, mais bon, voilà. Donc là, bon, un petit peu passe casse-croûte, j'arrive quand même à bien m'en sortir. Donc ça, c'est positif. Hop, on attaque, on n'hésite pas. Boum, on la met derrière, même avec contact. Foot ou pas, j'en sais rien, moi, je pense pas. Mais avec contact, on la met. Je ressors, là, changement de rythme. J'attaque, il n'y a personne qui défend. Du coup, on shoot directement. Il est sur le côté, donc j'attendais aussi une faute, mais il n'y a pas faute parce qu'il a bien défendu quand même. Là, je fais fin de shoot et je fais la passe, mais Chefie, ouais. Non, il n'y a pas habitude que je fasse des passes aussi. Donc après, je lui lâche le ballon. Boum, ça finit sur un 3 points. Contre-attaque, il a voulu venir me bâcher. Mais non. D'ailleurs, là, j'ai pas compris. Hein. Même lui, hein. J'ai été le voir, j'ai dit, chef, je sais pas pourquoi il n'y a pas faute. Hein. Parce que justement, regardez, il saute et il me touche pas en vrai. Ah, si, la petite main sous la main gauche, c'est vrai que là. Ouais, bon. Oh, tant mieux, ça aurait fait un point en plus. Hein. C'est cool. Et il tombe dans les bras de madame. Non. En tout cas, voilà. Hop, le petit point après. Joseph qui va au rebond. Donc là, hop, petit changement de rythme. Alors, là aussi, c'est intéressant que je vous le remette. Je vais vous la remettre après. Boum, l'attaque. Donc ça va, notre chef, il rentre ça. Regarde, si tu regardes bien, là, il y a une erreur. C'est-à-dire que oui, là, on regarde souvent la finalité. Mais moi, je fais une erreur. C'est-à-dire que là, non, je suis censé poser un bon écran. Et si tu regardes, mon écran, il est mal posé. Donc ça, faut bien que je fasse attention. C'est-à-dire que là, regarde, tu vois, je suis un peu bancal, la chef. Comme ça, je joue de l'épaule, c'est pas bon. Donc là, faut faire bien attention à ça. Hop, et après, quand je remonte, du coup, même bon, l'écran, même mon œuf, du coup, tu vois, il fait un mauvais écran et il passe entre les deux. Du coup, je suis obligé de venir reprendre contact sur mon joueur pour avoir un bon démarquage. Sinon, je me serais démarqué directement. C'est comme ça qu'on se prend des contre-attaques. Donc là, hop, on reprend, vient prendre contact et se redémarquer. Donc après, voilà, ça va, il le met, mais voilà. Faut voir ces erreurs-là pour pouvoir les corriger par la suite. Bien, bien poser les écrans. Donc bien savoir le système avant. Donc là, mon chef est tout seul. Je lui lâche le ballon. Souvent, je lui lâche mon petit François. Il est tout à l'opposé tout seul. Et ça rentre le plus souvent. Donc voilà. Là, il y a petite balle en bas. Il a mis mon autre grand. Donc ça, c'est sur limite contre-attaque. Pareil, on leur donne. Boum. Ça rentre en bas. Et vous allez voir qu'il y a un petit souci sur ça. Et je vous en parlerai. Là, tir de Mouchi, décidément, ça voulait pas rentrer. Ensuite, il y a une petite faute avec le 7, il se boxait. Donc là, pareil, hop, petite attaque, ça veut pas. On donne à notre grand, et une fois qu'on donne à notre grand, ça tire. Et voilà. Donc vous allez vite voir le problème, je pense que vous l'avez déjà vu. On verra un petit peu plus dans la vidéo, je vous laisse un peu réflexion quand même. Hop, petite passe ici, on se démarque. Je sais pas ce qu'il fait notre 6 et il s'énerve, voilà. Donc ça, c'est faute, mais faute pour moi, hein, pour moi. Mettre des coups ou quoi, mais quand l'arbitre il voit pas, tu regardes bien où il est et boum, tu mets un bon petit coup pour lui dire coco, détends-toi. Que là, bon, le chef, oui, peut-être qu'il y a faute parce qu'il voilà, il donne ou quoi, mais faut faire une petite faute plus intelligente. Parce que là, à part montrer son énervement, bah, l'arbitre forcément il va siffler faute. C'est dommage qu'on a besoin de notre 6, très important. Ce que vous devez retenir sur ça, c'est pas dire ah, le 6 il a fait ça, il a fait ci. Non, on s'en fout, on s'en moque de pour l'instant ses erreurs, mais nous on va s'en servir pour que vous puissiez éviter de faire ça. En tout cas, et même moi que je passe pas ça, ne vous frustrez pas, trouvez une solution à l'instant T pour pouvoir vous améliorer. En tout cas, donc là, attaque, ça veut pas, on donne vite le ballon parce que pour pas trop geler, on va vite au rebond, mais il n'y a pas besoin. Donc là, il l'a mis, franchement, ça fait plaisir. Le premier 3 points de Mouchi, franchement, cool. Le chef, je crois qu'il a pas mis 1-2 points, chef, c'est 3 points, ouais, mon chef, j'aimerais bien avoir ça. Donc là, il tire, donc là, il reloupe, chef, il nous bloque bien, en tout cas, bien joué, hop. Passer sa coupe de Joseph.
je suis là, j'attaque fort derrière et boum. Moi, quand je suis en mouvement, franchement, je suis plus en force qu'autre chose. C'est-à-dire que dès que je suis en mouvement, c'est plus compliqué. Là, je coupe, pareil, petite balle. Donc là aussi, pareil. Vous avez vu, ces petites balles-là, c'est compliqué quand même, tu vois. À part, tu vois, il la met à terre. J'avais fait une erreur comme ça aussi dans un des épisodes. Donc, il faut essayer de les mettre direct dans les mains quand c'est ça. Allez pas les mettre dans les pieds ou à terre. Mais voilà. Donc, retenez bien ça aussi. Voilà, les chefs. Là, la petite attaque de mon Joseph. Et non, la petite attaque de Delta, il regarde, il recule parce qu'il n'y a rien. Il la donne à son Joseph. Il attaque. Hop, il la loupe. Mais je suis au rebond, les chefs. Vous pouvez compter sur Delta. Hop, bon, on lui redonne. Bon, on lui redonne. Et non, il retente. Et il a quand même la faute. Bon, ça a payé quand même. Bon, voilà. Et ça a payé. Regarde, si tu regardes, franchement. Ça, faut que vous évitiez de faire ça. Regardez. Juste, vous allez rire. Regardez le 7 déjà. Nous, celui qui a l'opposé là. Celui qui appelle ici. Oh, balle, donnez-moi le ballon. Oh, le gars, il vient de shooter au moins 3-4 fois. Il a tout loupé. Il veut la voir encore. Et regardez sa tête. J'ai pas eu la balle. Il m'a fait trop rire. Franchement, ce match, il me fait trop rire. Bon, bien, on encourage quand même nos collègues. Il sait bien de provoquer une attaque, les frérots. Donc, ça, c'est bien. Et en plus, il met deux derrière. Donc. Très bien, félicitations à lui en vrai. Hop, petite passe en bas. Hop. Ah, la faute de papy, vous, il y a faute ou pas? Franchement, il me le fait à l'entraînement, il me casse la tête. Mais là, pour moi, il y a peut-être un peu faute. Ça, c'est des trucs d'anciens. Il met son bras et hop, il tourne autour. Tu peux rien faire, en plus, tu peux rien faire. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a offensif ou pas. Dites-moi, franchement. Hop, là, on recule pour voir qu'est-ce que ça fait. Bon, il referme. Je peux rien faire. Et là, je gèle le ballon. C'est ça. En fait, là, je gèle le ballon. Il y a trop de dribbles pour une attaque, pour je sais pas quoi. Pour moi, je gèle trop le ballon, il faut faire une passe. Il faut arrêter de garder le ballon comme ça, ça c'est pas bien. Gardez ça à l'idée. Donc là, petite attaque de Dehan, il essaie d'y aller. Voilà, il appelle une faute derrière. Moi, j'essaie d'y aller, mais j'y vais trop doucement, je me fais kéké. Je lui avais dit, ok, je vais la mettre. Parce que je mets quand c'est les autres, mais pourquoi pas moi, en fait, on s'en fout. Les gars, là, j'y vais trop doucement, j'ai pas respecté. Je voulais, tu sais, passer derrière comme les filles, la mettre là-haut, et puis il m'a mis un petit cake, le chef, l'ancien. Hop là, au revoir Delta. Puis du coup, tu vois bien, les petits jeunes, ils enflamment derrière. Ah, t'as pris un cake. Donc là, petite faute, vraiment minime. Hop, le rebond, en tout cas, on se bat toujours, hein. Moi, je vais toujours un peu rebond, hein. Ça m'amuse, en fait, c'est comme ça que je m'amuse, parce que souvent, en fait, l'erreur qu'il y a est... Pourquoi c'est compliqué des fois? C'est parce qu'on fait une passe sur un côté et ça shoot comme là en fait. Donc en fait c'est soit une passe en bas, ça shoot, soit une passe machin, il joue. Tu vois là, une passe en bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Donc ça aussi c'est consigne aussi. C'est certaines consignes qui ont été données. Tu fais la passe en bas, tu joues. Ouais, mais bon, bah voilà, ça donne ça du coup. Donc ça, c'est assez compliqué selon moi. Tu vois, là pareil, hop, il prend, il shoot, tu vois. Et chaque joueur qui est frustré, bah il va shooter. C'est-à-dire que hop. Ça, vous devez faire en sorte, vous, dans votre équipe, bah, de rejouer avec votre équipe. C'est pas parce que derrière, l'autre, il a fait une bonne action, que tu dois te montrer à toi, à ton tour. Non, s'il a fait une bonne action, on va essayer de remettre le système, remettre tout en valeur, et puis bien te faire jouer. Donc, la main à main, je prends de vitesse, il bloque le 22, du coup, on relâche sur le côté, et voilà. Et bon, il loupe, mais c'est une bonne action quand même, parce que là, il y a eu beaucoup plus de passes. On était dans les espaces, tout ça, enfin, voilà. Hop, là, je prends le contre-attaque, voilà. Donc ça, franchement, dès qu'on est en situation où, bon, ça joue, ça peut pas, on donne, bon, là, il n'y a pas de système forcément, hop, et je suis en rythme, bon, bah là, souvent, c'est panier. Souvent, c'est panier le fait que je sois en rythme. Donc voilà. Là, j'aurais pu attaquer, mais non, on essaye de jouer, faire l'équipe. On donne à l'opposé, comme ça, il est tout seul, meilleure situation. Bon, il loupe, c'est pas grave, j'essaie d'aller au bon, je ne l'ai pas forcément. Pareil, là, je réattaque, hop, là, hop, petite erreur, on vient corriger, direct. Donc là, forcément, j'attaque. C'est bien. Boum. Mais je me retrouve avec, du coup, 3 joueurs. Là, ce qui est plus préférable, c'est faire la passe 11. Tu fais la passe 11 directement, il y a une situation plus favorable, d'accord? Donc, bien corriger ça, vous aussi, quand vous attaquez. Si tu attires trop de monde, même si... Bah, faut relâcher, faut pas hésiter à relâcher. Donc forcément, moi dans ce cas-là, c'est pas forcément un bon truc. Ok, il y en a 3 sur toi, on a beau te dire ce que tu veux. Non, faut lâcher, on n'est pas Paris Streetball, là, chef. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il marque, c'est bien, mais après, bon, les équipes, elles sont pas bêtes, hein. Ils savent, hein, regardent les vidéos en plus. Hop, ça trappe sur notre grand, et puis hop, souvent, bah voilà, c'est fini, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je trouve ça bête. C'est pour ça que, bon, souvent, moi, ce que je fais, je coupe. Bon, bonne attaque, hop, on la récupère. D'habitude, ce que je fais, elle passe, et je coupe, parce que s'il n'y a pas cette solution-là, bah en fait,
j'ai l'impression, moi, pas en tant que joueur machin, mais si je regarde de l'extérieur, je regarde les vidéos, en fait, c'est simple. Bah, tous les autres restent à l'extérieur en attendant qu'une solution se passe et on joue sur le grand. Allez, mon grand, joue. Débrouille-toi. Ah bah, t'as loupé, par contre, c'est nul. C'est pas bien ce que t'as fait, tu vois. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne mentalité. On doit proposer quelque chose à nos grands pour qu'il y ait une meilleure solution. C'est pas simplement lui passer et aller démerde-toi, chef. Allez, c'est fini. Donc, il faudrait essayer de corriger ça. Comment, je sais pas. À moi de corriger ça. Non, c'est pas à moi de corriger ça. Ils verront bien. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. Moi, nous, on essaye de progresser, en tout cas, au mieux qu'on peut. Voilà. Là, j'avais mal à la tête, tu vois. Je me gratte la tête parce que je sais pas, j'ai encore mal. Pour ça qu'aujourd'hui, on est lundi. J'ai pris rendez-vous avec un éthiopathe cette fois-ci. Donc là, il va me craquer la tête. Je craque. Hop là, tête à l'opposé. C'est assez marrant. Donc là, notre Ludo a droit au shoot. Boum, il met. Donc là, on revient à 2 points. Regardez bien, je vous ai bien tout laissé. Donc vous, dites-moi déjà en commentaire. Là, on va faire les 2 actions suivantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez fait? Il y a 68, 66. Il faut que toute la communauté participe dans les commentaires. On veut savoir. 68, 66. Là, si tu mets un 2 points, tout simplement, bah, tu reviens à égalité. C'est plus la même, déjà. Donc là, bon. Notre Joseph, il prend un tir. Boum, il en a mis. Il a mis des 3 points et tout. Déjà en match, il est capable d'en mettre aussi. Bon, voilà. Il a bien joué en plus sur son début de match. Donc, on prend son shoot. Il le met pas. C'est pas grave. On doit derrière l'aider, défendre. Voilà pour ça. Mais du coup, il y a toujours 68-66. Et du coup, derrière, on se prend 2 points. Et du coup, là, c'est plus compliqué. Et puis, du coup, là, première passe. On se retrouve dans les erreurs. Première passe. On propose pas de système, rien. Ça shoot. Voilà. Donc, vous, dites-moi. Moi, je ne vais même pas vous dire ce que j'en pense. En vrai, je vais même pas forcément vous dire, mais je vais aller voir dans les commentaires et voir, et puis on va aller voir et jouer de ça. Vous, dites-nous, qu'est-ce que c'était bien, c'était pas bien, surtout sur la fin de match, en tout cas. Voilà, c'est intéressant de savoir, et puis dans les commentaires, faut exploser, explose aussi le pouce bleu, mon gars, hein, d'accord. Voilà, en tout cas, Mulhouse, Vashta, je suis pressé de les rejouer à la maison, parce que c'est vraiment des matchs intéressants avec des joueurs qui ont des qualités, vraiment beaucoup, donc c'est vraiment très intéressant ces joueurs-là, et puis vous avez vu, il y a beaucoup de trucs à progresser, on remarque vraiment plus nos erreurs, notamment sur, bah, il y a une passe, ça joue. Il y a une passe en bas, ça joue. Et ça, c'est très, très compliqué. Même moi, je suis en position où c'est très compliqué pour moi parce que je suis obligé d'aller chercher mes petits rebonds, aller chercher des trucs où je vais mettre en rythme, donc aller d'un endroit pour bien mettre en rythme et attaquer dans un bon timing et un bon rythme. Sinon, je suis cuit, quoi. Parce que moi, quand bah, y a plusieurs actions où je prends le ballon, on est posé, on fait le truc 3-4 dribbles pour attaquer, moi, ça, j'aime pas trop. Et ça se voit parce que ça se voit sur la réussite qui est moindre, du coup, sur ces trucs-là. Mais voilà. Donc ça, c'est les petits points négatifs. Hein, ça, on l'a compris. Après, les points positifs bah, de ce match, c'est que, au niveau défensif, ça n'a pas été trop mal, hein, d'accord. Après, quand on joue bien ensemble et qu'on va un petit peu plus au bout des systèmes et que chacun respecte les choix de l'autre, c'est-à-dire que même si l'autre, il fait une erreur, bah, on encourage. On n'est pas genre, parce que moi je sais que quand je loupe un panier, que je vois un joueur qui fait, oh, j'ai juste envie de le défoncer, le joueur, ça me casse la tête. Je vais dire, toi, t'auras plus le ballon, chef. Mais en toute honnêteté, ouais, voilà. Ouais, c'est juste, ça casse la tête. Faut vraiment, vous, dans votre équipe, même si un joueur qui fait une erreur, encouragez-le. Si vraiment c'est une grosse erreur, n'hésitez pas à le conseiller au mieux de faire des, oh, ouais, c'est pas bien, il aurait dû me faire la passe et montrer ça à tout le monde. Non, tu vas essayer d'aller corriger et peaufiner ça dans ton équipe, je pense, selon moi, et c'est le mieux. D'accord, que ça, il n'y a pas de frustration, vous vous aidez, vous essayez de vous améliorer et d'aller vers le haut. Voilà. Et surtout, même si tu vois que tu fais des erreurs et que l'arbitre siffle, va pas essayer d'essayer de mettre l'erreur sur l'arbitre avant tout. Corrige-toi avant, parce que ça, c'est vrai que nous, ça, c'est ce qui a été fait. Moi, je parlais même plus à l'arbitre ou autre, parce que c'est, tu fais une erreur, tu te corriges. Derrière, si moi, je suis nul par rapport à une attaque, qu'on me défonce ou qu'on me prend un cake, je vais pas chercher une faute, c'est bon, je vais me corriger. Je vais regarder avec vous la vidéo, je vais voir ce qui est possible d'améliorer, et point barre. Je vais pas, l'arbitre, il fait une erreur, c'est bon. Moi, je vais faire une erreur aussi, il va peut-être pas l'avoir, et puis on sera gagnant-gagnant, et puis point barre, on va pas. C'est bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ce match-là. En tout cas, il y avait des gros moyens. On a reçu des vêtements de la marque Puma et ça, c'est une dinguerie. Je vais essayer de faire le nécessaire pour la tête. Je vous en tiendrai plus au courant parce que ça me fait encore mal à la tête. C'est bizarre. J'espère qu'il n'y a pas de trucs bizarres au cerveau. En vrai, je prenais à la rigolade, mais bon. Vaut mieux de prendre tout à la rigolade. Et on verra bien la famille. En tout cas, voilà. Et en plus, il y avait voilà, beaucoup de jeunes qui étaient là, tout simplement pour encourager. Après, on a fait des photos ensemble. Ça fait grave plaisir. C'est grave cool le soutien que j'ai derrière. Donc, ça me donne encore plus de venir me déplacer, faire des matchs et de s'amuser, les frérots. Et voilà. Pas de dunk encore pour ce match, mais on va travailler, en tout cas. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a des erreurs que j'ai faites.
Moi, mardi, à mon avis, j'irai pas forcément m'entraîner parce que je vais aller voir l'éthiopathe et tout ça. Mais en tout cas, lundi, là, je vais aller encore faire mes petits exercices. Je vais voir ce que je vous montrerai ou pas en vlog. Mais on va aller bosser. Encore bosser, bosser, bosser. On corrige les erreurs, les frérots. Et j'espère que vous, vous corrigez aussi vos erreurs. N'oubliez pas de m'envoyer à ce mail-là vos vidéos, d'accord? Vos petites meilleures actions de vos matchs. Et puis, moi, je partagerai ça sur cette vidéo, les frérots. Et j'espère que ça va être de la dinguerie. Allez, les gars, ciao. Ciao, ciao, ciao.